Le pire a été évité de justesse. Un avion s'est posé violemment à l'aéroport d'Halifax, faisant 23 blessés sur les 138 personnes à bord. L'A320 a perdu son train d'atterrissage en heurtant un réseau d'antennes en amont de la piste. L'avion est descendu trop rapidement avec une visibilité réduite par une tempête de neige qui balayait les côtes atlantiques du Canada. Encore sous le choc, les passagers ont d'abord pensé à un crash. Évacués par les toboggans de sécurité, ils ont dû patienter dans un froid glacial sur le tarmac enneigé. De retour de vacances au soleil du Mexique, certains étaient simplement vêtus d'une chemise ou d'une robe. L'avion reposait sur le ventre, directement sur la carlingue. Un moteur arraché à une trentaine de mètres du corps de l'appareil et les ailes sérieusement endommagées.